Dans les réformes engagées au sein de nos forces, nous notons avec satisfaction la prise en compte de la notion du genre, qui est désormais une réalité. Ainsi, après l'École nationale de police, l'EFA, l'ENSOA, aujourd'hui nous notons l'arrivée de jeunes filles à l'EMPT de Bingerville depuis cette rentrée scolaire. Je m'en félicite. Très bientôt, l'École nationale de gendarmerie, fera la même expérience. Nous encourageons les parents à orienter leurs filles dans tous les corps de métier de l'armée, à l'instar du médecin général Kwame Akissi, que nous avons nommé au grade de général de brigade, faisant d'elle la première femme générale de l'histoire de notre pays. Madame Kwame, toutes nos félicitations.